Si les loups de Montréal inspiraient Tony Brown au quart de finale, ce sont les loups trifluviens qui le font encore chanter. Hop là, Lilidou, on change de forme quand tu me parles, mon petit minou. Je sais que c'est passé à chez marginal de se retrouver à l'autre place que dingue, que dans un sac. Comme j'ai besoin de ma médication, des amphétamines et de maman d'illusion. Comme si j'étais le genre de gars qui mérite pas plus qu'un carnet de réclamation. Ouais, je regarde ta bosse et ça mène. Pensez à ce qui tourne, pas rond. Tony, c'est la deuxième fois que tu participes au Mante la Relève, mais c'est la première fois que tu le fais tout seul. C'est la première fois que tu le fais tout seul? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois. La deuxième année, ouais. C'est la première fois que tu fais la demi-finale? Non, c'est la deuxième fois. Puis là, qu'est-ce que... L'année passée aussi, je l'avais fait la demi-finale, puis j'étais tombé en un point de tomber ex aequo avec, comment il s'appelait déjà l'autre band, Lesson B Project. Les gars, ils étaient à tête en masse, puis c'est ça. Fait que c'est ta revanche un peu, si on peut dire, qu'est-ce que tu vas faire de différent pour aller chercher peut-être ce petit point-là de plus? À peu près la même recette, mais je vais rajouter bien des piments puis de la sauce forte, là. Y'en a quatre personnes stupides, ou 20 gros surplus d'acide. J'ai perdu ma maison, parce que j'ai perdu la raison. J'ai un déficit d'attention. C'est une nouvelle chanson que tu vas préparer juste pour la... C'est... Tout est nouveau? J'en avoir deux ou trois de nouvelles. Tu as écrit entre le quart de finale et la demi-finale? Il y en a une, j'ai fait ça, ouais. Sinon, il y en a un autre que j'ai écrit hier. Ouais. Tu es capable d'écrire si vite que ça? Qu'est-ce qui fait que tu es capable de produire aussi rapidement? Je sais pas, soit je vois que je get drunk, puis à un moment donné, je dis quoi, puis je restique là-dessus, puis... Bon, ben là, je vais faire une tune avec ça, sinon ça va me prendre... Dans un truc que j'ai écrit, ça m'a pris un an à l'écrire. Ce qui m'arrive, mon corps part à dérive, je suis perdu. Au milieu du vide, le temps devient acide, j'ai fondu. J'ai plus assez de rimes pour écrire sur une ligne étendue. Il me reste plus rien que le vide pour me remplir de mes issues. Bienvenue dans le vide. Salut. Je me sens pleinement vide. Assurément mal habile. Et puis je tente l'impossible. À vivre dans ma pensée lucide. Je comprends pas la force qui m'habite et qui me suit jusqu'au précipice. Et quand j'écoute bien, ça semble un peu magique. C'est comme un autre frein, j'imagine. Mais je voudrais faire la différence entre les démons et les anges. J'aimerais aussi voir toutes les nuances de la vie qui danse. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.